tu ne danses pas? J'aurais même pas cru qu'on danserait. Samedi soir, qui le veut danse? Samedi, pas samedi. Des filles, que des filles. Toutes les filles qui dansent. Comme si c'était rien passé. Comme si la colère était derrière. C'est ce qu'on voulait. Se revoir, être entre nous. Et puis oublier, céder à y croire. On est un bloc, on est l'usine. Qu'on enlève l'usine, il n'y a plus de bloc. Des êtres éparpillés. Chuté. Chacune avec sa misère et sa plaie. Ta vie toute changée. Le temps, les gosses et la figure qu'on montre aux autres. Et tout ce qu'on vous dit. Le mot inéluctable. Et comme ils le prononcent. Alors oui, danser, tourner, rire. Pour une fois, on leur dit merde. Ça soigne quoi? Ça console quoi que tu danses pas? Moi, je dis, le droit de faire la fête, ça leur appartient pas. L'angoisse aussi, tu la jettes par-dessus l'épaule. Le mal au ventre et le temps vide. La fin de mois qui s'annonce au bout de 20 jours et le regard des autres quand tu fais tes courses en journée. La peur de dire un mot de travers quand une fois de plus, tu te présentes à un entretien et qu'on te demande où t'habites et d'où tu viens. L'angoisse de se dire « c'est de ma faute ». Il ne vous tombe pas dessus un tel malheur sans que vous y soyez pour quelque chose. On vous a agglutiné là pour vivre à côté de votre usine au bord de villes qui n'en sont pas. Et maintenant qu'il n'y a plus d'usine, à quoi ça sert d'être empilé là avec le désert autour? Autrefois, je n'avais pas de temps à moi, mais au moins je faisais des choses pour moi. Dans les journées vides, plus envie de rien. Et quand tu restes jusqu'à midi au lit, que dans l'appartement tu n'ouvres plus tes volets de toute la journée, que tu te nourris de café au lait. Et si tu en parles, tu as l'impression de gêner, que tout le monde te dit tout ça on le sait déjà. Ou bien, c'est partout comme ça. Tu t'en rends compte comme d'un rideau qui tombe. Même les mieux disposés en ont marre. Il serait temps plutôt de tout couper, de se dire au revoir. Et chacune de son côté. Qui rêverait d'une vie tapis roulant. Mais de surprise ou d'accident, on n'attend que ce qui est du lot humain. Et si ça suffit pas à remplir les attentes d'un destin, qu'au moins de temps en temps, ça rebondisse ou vous entraîne. Et les coups qu'on prend, les avoir mérités. Ou que ça ne dépende de personne, on n'est pas fort sur les bondieuseries chez nous. On aimerait tellement croire, pour ce que vous avez encore ici à faire, à un peu plus ou à un peu mieux. Et puis, c'est ça, justement, qui casse. Après, tout gris. Le ciel, les immeubles, monochrome. Avec 3 poules et 4 lapins, on peut toujours s'en tirer. C'est mon beau-père qui m'a sorti ça dimanche. Non, mais tu m'y vois. Pour ça que ce soir, moi, je fais la fête. On ne vous ennuiera pas de nos misères. On vous invite à danser avec nous. Et s'il n'y a plus de petites fenêtres dans la tête, alors on la dessine sur le mur. À la santé des messieurs en cravate dans les salles insonorisées. Conférences et réunions avec bouteilles d'eau minérale. La contrainte sociale n'est pas opposable à la nécessité économique, comme ils disent. Leurs mots, on les leur ferait bien bouffer. Resserre-moi à boire. C'était l'an dernier et dans cette même salle. On s'était inscrite pour le voyage en car. Qui est-ce qui avait eu cette idée de l'Angleterre? Pourquoi l'Angleterre? Laquelle avait eu l'idée, la première? D'accord, c'était un peu cher. Mais celle qui hésitait, comment se moquer? Dis-le à ton mari, c'est le prix de ta perceuse électrique ou de ta consommation d'apéritif plus la bière. Garde l'étiquette du Leclerc sur 6 mois. Un voyage rien que pour nous, les femmes. Et même le chauffeur de bus serait une femme. L'accord du comité d'entreprise dans la poche. C'est pas maintenant qu'on va le faire, le voyage en Angleterre. C'était quasi le Club Med. Tout ensemble et voir l'Angleterre. On avait eu des prix. C'est peu demandé, l'Angleterre. Ils roulent à gauche et boivent du thé. Aucune de nous n'y était allée. Visite de Londres et Oxford.
Après-midi, shopping et virée boîte de nuit. Les mariés comme les célibataires, qu'est-ce qu'on s'en promettait? Moi, je le regretterai toujours, le voyage en car qu'on n'a pas fait. Un type qui décide de tourner la vanne par laquelle la citerne d'acide se déversera dans le réseau des eaux usées de la ville et par-delà dans le fleuve. Un type qui est là, de piquet de grève dans l'usine, la nuit. Il est seul. Il comprend l'écroulement que c'est. Et son briquet lèche un chiffon. Et il regarde brûler le chiffon dans la nuit. Puis il lance le chiffon sur les cartons qui mettent le feu au stock. Mais ceux qui prétendent que ça s'est passé comme ça, ceux qui ont mis un type en prison pour ça, ils n'ont pas les preuves. Moi, je le dis pour moi, j'aurais pu lancer le chiffon. Une fille qui ferme ses fenêtres et ses portes, coupe son compteur d'électricité par précaution, pense que ses gosses sont à l'école et qu'elle a jusqu'au soir, prend la fin des pilules de l'Exomil, ouvre son four et allume le gaz. Moi, non. Je n'aurais pas fait comme Sylvia. Mais comment savoir ce qu'il en sera de nous dans le tunnel, les galeries? Il y a tout à se réinventer, mais on vous donne quoi pour le faire? Vous m'aviez poussé en avant, vous me disiez eh « Vas-y toi, parle !» Quand on nous a demandé qui nous représenterait dans ces réunions et que vous avez dit mon nom, moi, je pensais « Elle se dégonfle !» Elles veulent devant elles une qui écope des coups. On craint pas et on n'a pas des idées moins pointues. C'est comme courir ensemble et l'une est devant qui nous représente toutes. Moi, je ne voulais pas que tu aies mal. Je suis attachée à ce ciel, à cette ville. Ne rien devoir à personne et ce qu'on dépense, l'avoir mérité. On se met le dos devant les immeubles en écartant les bras plus hauts que leurs 6 étages. Ce n'est pas le boulot qu'on défend. C'est les empêcher d'entrer là, où on aime, où on rêve. Quand plus rien du rêve ne sera pareil. Ni même faire l'amour. Ou dit le contraire. Moi, je pars. Je m'en vais. On vend le pavillon. Déjà que mon mari fait les 60 km chaque matin. À l'ombre des immeubles, l'autoroute à 25 mètres est vue sur les usines. Tu vas le vendre à qui, ton pavillon? Qu'est-ce qu'elles font de leur colère aujourd'hui, les filles? Comment cela vous emporterait, la colère de toutes? Et dispersée où? Le type qu'on avait enfermé, lui, il en a retrouvé du travail. C'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait? Pas été assez dure, assez forte? J'avais lu ça dans Germinal au lycée. Pas besoin d'avoir fait le lycée pour faire ce qu'on faisait. Autant de filles qui avaient leur bac dans la poche. Et pas besoin de s'en souvenir pour ce qu'on leur demandait de faire. Ça leur rajoutait même pas un centime. Dans Germinal, il lui coupait les couilles au bonhomme. J'ai vu le film après, plus tard. C'est là que ça m'est revenu. Ça te marque, gamine, une histoire comme ça? Comment ce type avait peur. La nuit dans l'usine, la radio qu'on laisse allumer, les coups de téléphone, et qu'on découvrait ça. Si on était capable de faire peur, on pourrait renverser le sort. S'il avait lu Germinal aussi, je sais de quoi il avait peur. On n'a jamais dit qu'on lui ferait ça. Qui a joué avec ça? Au début, il avait pris ça à la rigolade. C'est quand la nuit est tombée, que nous, on était 40, et lui, tout seul, la trouille. Et qui c'était lui, même pas le patron. Le patron, on l'a jamais vu. Lui qu'on avait ici pour nous commander et qui se rendait une fois par mois au rapport. Comme quoi, ça devait pas toujours être marrant pour lui non plus. Et moi, je me disais, il le sait bien, que le grand patron, celui de la holding ou le responsable Europe, ça ne les empêche sans doute pas de dormir, qu'on séquestre notre chef dans leur bureau, on enferme un visage. Mais le groupe qui nous met dehors n'a pas de visage. Pas de visage qu'on n'ait jamais pu connaître. Maison de fonction, loyer à la charge de la société. Déjà, ça fait quoi de différence avec toi à la fin du mois? Voiture pareille. Pas d'assurance, pas de frais d'essence, on les paye en nature. Et ton chef, si ça t'inquiète, les paiements en nature, il savait aussi en trouver quelques autres. T'accuses qui? Quelle fille? On l'a quand même tenu 15 heures. Du matin 10 heures au milieu de la nuit suivante. Dans le bureau, sans pipi ni eau. Tous les journaux, séquestration. Notre avocate sans violence. Le type, il a eu du cran. Ne pas même aller pisser. On a retrouvé une bouteille d'eau minérale dans les tiroirs le lendemain. Il a bu et remplacé. Il voulait pas demander ça à nous, des femmes. Le costard froissé. De voir ça tout tomber. Les filles aux yeux qui brillent. Et moi, je disais, c'est mesquin. Aux filles, je disais, c'est de rester ensemble. Demain qui sera difficile. Et voilà. Il voulait tout le temps sa crème contre l'eczéma.
Il m'a montré l'eczéma dans le cou. C'est pas beau, je lui ai dit. Il me répond, depuis le premier plan social, d'avoir fait ce plan social. Voilà ce que ça m'a fait à moi. Si on a eu le tort de s'arrêter en chemin, à qui le tort? Tous les journaux étaient là. Nous, ça les intéresse pas. Mais si tu mets le feu, si tu balances de l'acide à la rivière, ou si tu coinces ton chef dans son bureau, alors tout d'un coup, on existe. Moi, toute la nuit, j'avais dit maintenant qu'on l'a, on ne le lâche plus. Dans ton germinal, il ne faisait ça qu'à un seul. J'ai vu des filles, ça les excitait. Et vas-y, les plaisanteries à voix bien haute. Moi, j'aurais été le gars. C'est pas d'être enfermé qui m'aurait vexé. C'est d'entendre ce qu'on disait et comment on parlait de lui. Celles qui se sont comportées comme ça, on les a nous-mêmes évacuées. On a été responsables. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'histoire après. Tu crois pas qu'après, ils avaient les vigiles prêts et leur téléphone dans la poche? C'est depuis cette nuit-là. Je suis entre quatre murs. Des murs très minces, juste des cloisons. Et de tous côtés, des bruits de conversation. Je mets les mains sur les oreilles, je ne veux pas entendre la conversation des autres. Et chaque fois que le rêve revient, c'est plus étroit. Juste une ampoule là-haut et le panneau vert écrit sorti. Et moi, je suis là. Poitrine nue, rien qu'une culotte. Mes habits devant moi. Et on m'a dit d'attendre. J'en peux plus de ce rêve. Et pourquoi ce rêve? Départ volontaire. C'est comme ça qu'ils voulaient nous faire à l'idée. Ça va mal. Alors estimez-vous heureuse de vous en tirer à si bon compte? Prime de rien, mais prime quand même. Combien on en a perdu qui disaient non devant nous et à eux disaient oui après? Ils allaient le soir dans les maisons, ils signaient le chèque. Des voisins de mon beau-père, ils se sont achetés une caravane, tout heureux. Ils s'en servaient pour aller à la pêche à la ligne. Tout l'automne pour la nettoyer, la bichonner, puis tout d'un coup les recommander les dettes. Et toi, on te met à 20h en te disant que si tu te tiens tranquille, on te gardera docile sur ce coup-là. Mais plus de défense quand c'est la grosse charrette. Il y a eu la chasse aux fautes graves, et tout retard avertissement, et une bêtise sur un poste, tu es vidé. Quelques-unes de moins, celles dont ils préféraient qu'elles ne restent pas au milieu pour la suite. En décembre, on était 50 à bloquer le bureau. Et on se disait 50 qui osent sur 130 que ça concerne. À quoi elles pensent les autres? Mais ça, on ne l'a pas dit aux journaux ni aux radios. Il y avait le magasin aux outils qui était bien. C'est central, c'est grillagé. Je disais aux filles, regardez, on peut en mettre 30 là-dedans. On avait des élus, avec leur écharpe. On leur avait dit, pourquoi vous ne viendriez pas vous enfermer volontairement dans l'usine avec nous? Alors à chaque fois, tu les vois qui regardent leur montre ou qui préparent leur téléphone. Moi, je voulais qu'on s'enchaîne et publiquement, vider l'usine, videz-nous avec. Se demander toujours si ce qu'on fait est juste et pas de réponse. Parce que ce qui était fait à nous n'était pas juste. À nous, il nous faudrait demeurer juste quand on s'y heurte et les dénonce. La loi, c'est une frontière. On pousse et ils poussent. Eux, ils y étaient dans la légalité. Ils auraient préféré un rideau opaque sur ce qu'on nous a fait. Nous, dans le rideau, on a fait un bel accroc. Il est tombé quand même sur nous toutes, le rideau. Cet après-midi dans ta cuisine, demain dans la mienne, comme hier dans la sienne. Et rien d'autre entre nous que redire ce qui s'est passé. Qui vous laisse sans comprendre. Comment maintenant on a visage et main et ce qu'on en fait? On allait voir les autres usines, d'autres filles en grève. Et puis le lendemain, c'était grande ville et tapis rouge en délégation. Je me disais, on voit l'humanité de haut en bas. Jamais on n'aurait pensé qu'on verrait tout ça. On a frappé à des portes, jamais on n'aurait pensé venir là. Que veulent ces femmes à la porte? Mais nous, on fait simplement les démarches. On ne demande rien, on ne quête rien. On est monté dans sa voiture à elle. C'est elle qui conduisait. On avait Sylvia avec nous alors. Les 20 euros d'essence, on a partagé en 5. 4 euros chacune. On avait les adresses. On a fait la liste de tous ceux qui avaient parlé, s'étaient exprimés et partout. On garait la voiture. On entrait dans le hall d'accueil. Et là, une fille de notre âge qui nous demandait ce qu'on voulait, qui on cherchait et pour quoi dire, obtenir quoi. Alors on le lui disait. T'es où? Pour nos enfants. Pour nos emplois. Pour nos vies. Il y avait un silence. Et puis elle nous regardait, la fille, passer un coup de fil ou bien nous indiquer une porte. On a été reçus partout, et c'est grâce à ces filles. On peut être standardiste à vie et savoir ce que c'est le monde vrai. Toutes les démarches, on les a faites.
Les adresses recopiées dans l'annuaire sur sa table de cuisine à elle. Un cahier ouvert sur la toile cirée. Un cahier qu'on avait acheté pour...